Bonjour à tous. Les bourses européennes repartent en forte baisse ce mardi dans le sillage du recul de Wall Street et des bourses asiatiques. En fin de matinée, l'indice DJ Stock 600 recule de 1,5%, plombé par la chute de 3% du secteur bancaire. Malgré le sauvetage par les autorités américaines des organismes de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac, les investisseurs doutent de la santé du secteur financier aux États-Unis et craignent des mauvaises surprises alors que de nombreuses grandes banques américaines doivent annoncer cette semaine leurs résultats trimestriels. Le Dow Jones a cédé 0,4% et le Nasdaq 1,17%. Les principales bourses asiatiques ont chuté mardi. À Tokyo, l'indice Nikkei a ainsi terminé la séance en recul de 1,96% sous la barre psychologique des 13 000 points. Bruxelles n'échappe pas à la tendance générale négative. Le Belvin recule de 1,86%, entraîné à la baisse par la chute du secteur bancaire. Fortis 6,7%, KBC 3,6% et Dexia 5,3%. Société Générale a réduit son objectif de cours sur Dexia de 22,2 à 15 euros tout en restant à l'achat. La banque a indiqué avoir retenu un scénario très noir dans son environnement difficile. La banque souligne aussi qu'une augmentation de capital de 2,3 milliards d'euros ne peut pas être exclue. Voilà qui termine ce point bourse. Merci de votre attention. À bientôt.